Hey, salut! Bon matin, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est le 25 de octobre, donc 2 mois avant Noël. Moi, je suis full dans Noël, dans ma chat, mais il n'y a rien de Noël de sorti dans ma maison. Mais éventuellement, début novembre, mais je vais commencer à placer des choses, mais je trouve qu'il fait trop beau, genre. Comme j'ai des pots de fleurs dehors, là, puis ils ont refleuri comme des fous, là. Il fait très, très, très beau. Il annonce beau toute la semaine, si on dirait. J'ai la misère à imaginer qu'il y aurait un sapin Noël puis dans ma maison, puis il ferait comme super beau comme ça. On dirait que c'est comme ce qu'on a encore en septembre, genre. Mais c'est ça, on est rendu fin octobre, c'est vraiment incroyable. On a tellement de bel automne, c'est le fun. D'habitude, là, tu sais, le gazon est rendu comme. Et là, le gazon est tout vert encore. Comme... Ah, on pourrait quasiment tondre de nouveau, mais non, là. Mais tu sais, je vois comme qu'il y en a qui pourraient tondre de nouveau, là. Comme... En tout cas, c'est fou, c'est fou. Et nous autres, c'est ça fait pas tant longtemps qu'André a tondu. Puis là, il a tout serré le tracteur, so, on tondra pas de nouveau, là, mais en tout cas. J'ai comme un bouton qui m'a sorti là. Moi, j'ai jamais de bouton. Je suis comme, cool. Mais c'est ça. Est-ce que vous voyez par mon visage que ça fait vraiment pas longtemps que je suis debout? J'ai la maganée, je suis comme... Moi, le matin, on dirait que je chante puis j'ai stretché. Là, je suis comme. Mais c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, je vais travailler. Il est comme 10 h, je dirais. Je m'ai levée tard parce que je m'ai couchée tard. J'ai travaillé tard. C'est ça. Des fois, je fais comme. Je travaille tard puis je peux dormir tôt. Je peux dormir tard, je veux dire. C'est ça. La maison commence pas mal à s'organiser, sérieusement. Comme là, j'ai plié du linge. Il y a un petit lavage à ranger. Mais c'est ça, c'est comme la maison commence à prendre sa place, là. Si vous avez vu mon tapis par terre, il est comme pas bien installé, là. Je viens juste de le remettre là. Je l'ai juste placé. Puis c'est ça, ça prend comme 2 bras là, pour le. Lever le sofa puis le slider dessous. Mais c'est ça. Ma mère, ma belle-mère sont venues. Ma maman, ma belle-maman sont venues faire du ménage. Je pense que c'était la semaine passée. Puis comme après ça, j'ai comme fait un gros ménage, organisation, puis en tout cas, des encombrements, etc. En fin de semaine, André a beaucoup avancé dans les rénovations. Il a placé d'autres plafonds suspendus. Il aurait pu finir, mais il y avait des lumières, c'était pas les bonnes potlights. On ne pouvait pas placer du plafond suspendu, je sais pas trop, en tout cas. Fait que ça, on attend les lights, ils vont arriver, on les a commandés. Ensuite, il va les changer, il va mettre les 4 dernières tuiles. Puis plus loin dans cette petite chambre-là, là, il y a comme une place où est-ce que c'est pas terminé. Il y a comme quelques petites choses à faire. Le poêle à bois n'est pas encore installé, mais il est tout à sa place. C'est ça, on a comme cleané. Il n'y a plus d'outils qui traînent. Ça s'en vient pas mal bien, les rénos. On est bien contents. On a hâte que c'est fini. Là, mon petit coin. Puis c'est ça, on dirait que je viens jamais dans ce bar ici de la maison. Là, c'est vrai, hein? Cette chose, elle a coulé. J'ai appelé Nespresso. André, je sais pas si vous regardez mon Instagram, mais André avait fait des stories, puis Nespresso nous a écrit de les appeler, puis de parler aux techniciens. Fait que là, j'ai fait un gros test avec le technicien. Fallait que je vide la machine, pèse tel nombre de fois sur les pitons, blablabla. Puis je faisais comme une vidéoconférence avec lui, genre. Puis là, il a filmé ça, il a tout vu. Puis là, c'est ça, à couler. Fait que, il va nous en envoyer une neuve. Une pareille. Fait que, c'est ça. J'espère que celle-là, elle coulera pas. Parce que là, tu sais, c'est tannant. Qu'est-ce que tu veux? Hey, c'est ça. Les choses avancent dans la maison. Tranquillement, pas vite.
On a placé la TV. Je sais pas si je peux vous faire montrer ça. Mais... On a placé la TV ici, dans ma chambre. On va fermer la garde-robe. Donc maintenant, la TV est sur un poteau. Parce que vu que c'est une pocket door là, tu sais, qui se rentre dans le mur, là, tu sais, ça fait qu'on ne pouvait pas passer des trous sur le mur. Voyons, on ne pouvait pas passer des trous sur le mur. Donc, parce que sinon, la porte aurait comme pu passer. Ça fait qu'on a attaché au plafond. Ensuite, ici, c'était encore un tatou. Fait que là, on a mis la fine qui était dans la chambre, dans notre chambre. Vraiment beaucoup d'ouvrages. Là, un petit peu de vaisselle qui traîne un petit peu partout. Mais... Je vous dis, ça s'en vient, l'organisation de la maison, comme tu commences à prendre sa place. On vit une vieille maison rénovée, là, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de rangement. Donc, j'ai pas encore plugué mon freezer parce que ça me prend une rallonge. Fait qu'André nous a mis une nouvelle tablette ici. Donc, on a une de plus, puis elle est plus comme à ma hauteur. Parce que cet été, mon beau-père avait fait ceux-là et ceux-là. Puis, c'est ça. Là, André vient de rajouter celle-ci. Regardez ça. J'avais acheté cette plante-là au Giant Tiger. Puis, je l'avais donnée à ma mère parce que j'avais pas le temps de m'occuper des plantes. Là. Puis là, à un moment donné, elle m'a donné un bébé. Je l'ai fait pousser dans un petit mason jar. Là. C'était comme tout l'été, mettons, il était dans un mason jar. Tu sais, c'était juste les bébés mason jar. Là, puis c'était là-dedans. J'ai planté ça dans un pot. Plus petit que ça. J'étais comme, tu sais, ça va être correct. Je l'ai mis dans de la terre à semis parce que de la terre à semis, c'est beaucoup plus fluff, mince, là, tu sais. Comme, fait que... Pour les petites bébés racines qui ont sorti, mais ça allait être plus facile. Puis, à un moment donné, tu sais, ça fait pas longtemps. Hein? À un moment donné, j'étais comme, moi, ouais, je vais juste la changer d'un plus gros pot. Je l'ai mis là-dedans et je comprends. Elle est aussi grosse que celle à maman, tu sais, que. Ben, ouais, la sienne doit grossir aussi. Hein, t'sais. En tout cas, elle est devenue une plante 16 adultes, là, tu sais. Là-bas, tu vois, il y a encore plus de plafonds suspendus de placer. Il manque juste ici, que ça va être du spécial, là, pour, vu que le poêle à bois est là. Puis, derrière, ça va être un board and batten, juste en carré. Je probablement juste ce mur-là, mais si on a assez de stock, on va faire le mur-là aussi. Le gars va venir placer la cheminée, organiser ça. C'était ça. C'est ça, ça avance. Puis, on est bien, bien, bien contents. J'ai eu d'autres rangements dans ma shop aussi. Puis, dans ma salle de laveur. Donc, cette armoire-là, je l'avais achetée pour mettre sur le dessus de ma toilette. Mais c'était trop épais, on s'aurait fessé la tête dessus, ça fait que je l'ai mis là. C'est trop le fun, ça fait comme un rangement de plus là, tu sais. Mettre des petites choses là, comme ça. J'en avais commandé deux sans faire exprès. Fait que là, il y en a un qui est plus mince, où je pourrais comme... Parce que tu sais, je n'avais mis deux dans mon panier en disant « Ah! » Puis là, j'avais vu là, qu'il était plus épais, mais il est arrivé, puis là, j'étais comme « Mais en tout cas. Fait que là, j'en ai un autre d'une boîte. André aimerait qu'on le rend. Moi, je suis comme 500$ sans que tu viennes le placer. Moi, j'en mettrais un si vous faites de la toilette. Tu sais, c'est nice, là, tu sais, comme pour le papier de toilette, tu sais, même les serviettes hygiéniques, les produits, peu importe. Là, me semble, il n'y a pas de rangement dans la salle de bain, ça serait parfait. Fait que, c'est ça, on va attendre un petit peu, là, je le rendrai pas tout de suite. J'oublie de garder la caméra. Là, c'est ça. M'a travaillé. Je vais vous faire montrer une petite chose que j'ai faite. Quelques petites choses que j'ai faites. Ici, un petit calendrier. On peut pas bien voir, là. Ça reflète. Mais c'est ça. Mon petit sapin est sorti pour mettre des petits décors dessus. Un petit décor ici, comme ça. C'est tellement beau, j'ai fait ça, là. Il n'est pas vendu, alors je l'ai gardé. J'en ai vendu plusieurs, par exemple. Mais celui-là, je ne l'ai pas vendu. Pas parce qu'il est comme dans les jaunes, mais je trouve ça tellement beau. Je l'adore. Et hier soir, j'ai fait celui-là. Je l'adore.
Ce petit logo-là, c'est mon design que j'ai fait l'année passée. Et c'est un gros vendeur. Et là, j'en ai fait de nouveau. Cute! Mais c'est ça, là, tu sais, je peux mettre autre chose dessus. Donc, voilà. Je vous montre ma toilette, là, mais c'est ça. On a peinturé ici, c'était comme une espèce de bleu poudre. Puis là, Astor s'est rendu un espèce de beige, mais la caméra, ça l'a gris. Mais c'est classic gris et classic gris, c'est beige. En tout cas. Fait que j'avais rien sur le dessus de ma toilette, t'sais. C'est pour ça que je suis comme, ah, ça serait perfect. Mais en tout cas, peut-être que je vais la manger, je vais quand même aller à André, là, fuck it, là, on le met, là. Ça, c'est à André, puis se laver les mains, tu sais. C'est pour ça, c'est comme une toilette, tu sais, moi, c'est ma toilette de shop, là, mais lui, c'est ici qu'il vient se laver les mains, comme, pour de vrai. On a acheté une vraie machine. C'est lit. Si jamais vous avez une idée comment je pourrais la couvrir, laissez-moi savoir. En tout cas, fait, j'ai mis ça en attendant. Le trou là, c'est parce que ça prend un cadrage. C'est comme un accès. Fait qu'on peut pas le former. Moi, je mettrais ça là, ma santé. Hein? Oui, 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 oui. Regardez. C'est ça la vraie couleur. The classic gray. It's cream beige. C'est ça. Puis dans ma salle de bain, en haut, dans le garde-robe, j'aimerais deux autres étagères. André était supposé les faire. Mais là, finalement, on a tout ramassé qu'est-ce qui était dehors. C'est ça. Ça sera pas une autre fois. T'es comme pas terminé là, encore en dedans. J'étais comme, mets donc juste un rideau par-dessus. On avait un vieux rideau comme ça. Il est extérieur, mais au moins ça cache. T'sais, il était une 16. Il était pas la 16 par en dedans. Mais quand ça sera tout arrangé, on pourra en mettre un qui fit en dedans du garde. Mais en attendant, ça cache cette laideur. Puis c'est ça, il manque ces panneaux-là. Plafond suspendu. Puis ici, il va manquer comme toute cette rangée-là, puis de couvrir le beam, de couvrir ça comme de même. En tout cas, ils vont faire comme une espèce de bloc, je sais pas trop, là. Ils vont expliquer ça. Ça fait que, puis il manque 4 lumières comme ça à changer pour être capable de placer le plafond. Il manque les baseboards et les portes. Je suis vraiment contente. On a avancé pas mal, en fait. Contente, contente. Fait que là, c'est ça. J'ai comme semi-mangé, là, je vais prendre encore avoir faim. So, je pense que je vais peut-être aller au Tim, chercher un café. M'a donné un petit peu d'énergie, puis en même temps, ça peut-être que je vais me ramasser un petit bagel. Ça, là, c'est mes petites planches de faire mon board and batten. Juste pour vous donner une idée, tu sais. C'est vrai, hein, la même chose ici, on a mis un petit rideau. Puis voilà, c'est ça que ça ressemble. Là, j'ai mis des coussins de Noël qui étaient dans ma chope. Puis ça, c'est ma petite couverte de Disney. Je pourrais vous la faire montrer. Mais ça vient directement de Disney quand on est allé à Disney. Donc, c'est ça que ça donne. Puis comme genre, le soir, on ferme les rideaux comme ça. Puis tu sais, on dirait qu'on oublie la chope. Puis ça me permet qu'il fait moins chaud quand je mets la heat pump. Et en souhaitant que ça va faire que... Oui, hein, j'ai-tu zoomé? OK. Ça va faire que le poêle à bois me fera pas mourir de chaleur. Fait que c'est ça, tu sais, on s'installe. Puis là, la TV, là, c'était notre ancienne TV de salon. Fait que c'est ça. On s'installe le soir, on dim les lights, puis on peut regarder la TV ici. On a fait ça l'autre soir, c'était le fun. C'est pour ça que ma couverture de Disney est sortie. Ouais, bien excitant, là, mais voilà. Ça vient direct de Disney. On avait acheté ça, puis c'était cute. On avait pris le ferry, il faisait frites. Moi, puis ma mère, on était en bris dedans. Puis je voulais vous faire montrer ceci aussi. J'ai pogné ça au dolo, OK? Ton sel fit dedans. Puis là, tu peux, genre, regarder des vidéos. Il y a une craque plus mince, puis une craque plus épaisse. Bon, mon sel, iPhone 12, avec son case, fit dans la plus épaisse. Mais c'est ça. Fait que quand tu regardes des vidéos, hein, tu peux accoter ton téléphone. Trop fun, c'était, je sais pas, 2-3 piastres. Fait que, c'est ça. Je vais... petite chose. Je vais aller au Tim. Parce que sinon, je vais flâner. Je me connais. C'est ça, fourrel, genre, qu'on est le 25 octobre. Puis que là, je m'en vais au Tim en sneaker, tu sais. Normalement, je serais comme, oh my god. Ma caméra est en l'air. Pas. 25 octobre, je pourrais que je me mette au team avec ma trottinette. Ah, en beau team.
en petit chandail. Comme normalement, là. Le fret, c'est assez là. Tu sais, les enfants passent l'Halloween, puis le fret a gelé. Et j'ai vu aussi, petite random chose. Oui, mon ballon à cola. Il va être là jusqu'à ce qu'il est con. Il va changer la date de Halloween. Je pense que c'est au Québec. Parce qu'il annonce la pluie. Genre, faites pas ça. Hey. Je sais pas, là, mais l'Halloween, c'est le 31 octobre. Quand j'étais jeune, j'ai déjà passé l'Halloween dans la neige, dans la slush, dans une tempête, dans la pluie, dans des gros vents de pluie. Il faisait chaud. Tout a déjà arrivé. Comme. Passer l'Halloween, puis c'est ça que c'est. Il y a du monde qui va embarquer dans des chars pour le faire. Il y a du monde qui va le faire à pied, comme sérieusement, là. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Vraiment pas d'accord. Je pense qu'ils l'ont déjà fait une fois. Puis c'est stupide. Tu sais, tu passes Halloween, là, comme mets-toi un poncho par-dessus ton déguisement, c'est pas grave, là. Anyways, il fait frais dans le site de l'année, là. Puis comme les enfants, là, on voit déjà pas le déguisement parce qu'ils sont déjà en manteau d'hiver. So, mettez-leur des ponchos, puis let's go, comme. Ah ouais. Et moi, là, une autre affaire que je trouve qui est fou, là, c'est qu'avant, là, nous autres, là, on passait l'Halloween jusqu'à 10h le soir. Comme, il faisait noir. Et à cette heure, à 7h ou 6h30, tout de suite qu'il fait noir, t'as plus le droit de passer l'Halloween. Qu'est-ce que c'est ça, ces règlements-là? Genre, le fun de passer l'Halloween, c'était de passer l'Halloween dans la noirceur, comme. Mais donnez-leur des flashlights, puis let's go. De toute façon, les petits, ils sont avec leurs parents. Puis eux autres, ils vont se coucher tôt. Mais comme, eux autres sont un petit peu plus vieux, là, comme. Moi, je sais pas, j'avais 11 ans, mettons, en 5e année. À peu près, hein? Bon, me semble, je courais partout, puis let's go, là. Comme. En tout cas, il faisait noir, bon, on passe encore l'Halloween. Puis je me rappelle qu'il était 9h, 9h30. Hein. Fait que c'est ça. Je sais pas. Je trouve que. On est en train de créer quelque chose, là, comme arrêter ça, là. En tout cas, c'est mon opinion. Tout le monde a son opinion. Mais c'est mon opinion controversée. Si vous êtes pas d'accord, well, c'est correct. Là. C'est juste que je trouve que ça n'a pas de bon sens. Là, on peut pas changer les dates. Je sais bien, c'est rien qu'une journée, mais c'est pas pareil. L'Halloween, c'est l'Halloween. C'est comme. Il y a de quoi de magique le 31 octobre. Fais pas enlever ça. C'est comme un. T'sais. En tout cas, faut faire revivre l'Halloween. Comme faut que l'Halloween devienne un petit peu comme. Tu feel qu'il y a comme, je sais pas, une espèce de magie ou comme un. Que c'est spooky, tu sais. Comme nous autres, on allait comme dans des. Et le monde décorait tellement, genre, là, comme pour se rendre aux maisons, là. Il y avait des trails qu'il fallait tout suivre, puis il y avait des bonhommes, puis. C'est où, ça? On dirait qu'on a tout arrêté, genre. Pourtant, on l'a vécu, tu sais. Fait que pourquoi on le fait pas vivre, genre, aux autres? Comme, je comprends pas. Je me dis, tiens, ah, je vais faire ça, mais comme, tu sais, c'est beaucoup de travail, ça prendrait comme André m'aide, puis André, il a juste pas le temps. Mais c'est ça, tu sais, j'imagine que c'est la même chose tout le monde. À cette heure, le monde n'a plus de temps parce qu'il faut que les deux parents travaillent, etc. Puis, tu sais, en tout cas. Mais, c'est plate, hein. C'est plate. C'était le fun, Halloween. Notre vrai Halloween à nous autres. Avoué. Puis, avant de partir, au team. Je vais parler d'un autre sujet controversé. Occupation double! Est-ce que vous écoutez Occupation double? Genre, comme là, on est rendu qu'il n'y a plus rien. Là, cette semaine, il n'y a rien. J'ai écouté l'émission de dimanche sur l'intimidation. je ne sais pas à quel point que l'émission est possible d'être intéressante pour le restant de l'année. Je ne sais pas à quel point les candidats vont être à l'aise. Il y a des rumeurs qu'il y a, que, genre, tout le monde a mis ensemble, finalement, ils ont décidé de quitter. Ils voulaient, là, ils ont laissé faire, puis là, ça a l'air qu'ils voulaient, puis ils l'ont fait. Puis que, genre, on voterait pour notre couple, là, tu sais, dans 2 semaines, il resterait comme 2 dimanches, je sais pas. On sait pas si c'est des rumeurs, mais comme,
En tout cas, j'ai la misère à croire que ces personnes-là, tu sais, comme, éventuellement, tu sais, c'est obligé qu'ils se posent des questions, parce que, oh my god, comme, à quel point, parce qu'ils les voient pas, eux autres, les réseaux sociaux, ils savent pas à quel point que c'est, puis ils sont comme, tu sais, moi, ils me blastent-tu, j'ai-tu rapport, j'ai-tu, tu sais, ils doivent tout être comme, un petit peu comme, tu sais, un coup qu'ils ont, ils se sont calmés, là, comme, ils doivent commencer à se poser des questions, sur, je sais pas qu'est-ce qui. En tout cas, ils ont scrappé la saison, d'après moi. Puis c'est trop ça plate parce que, tu sais, l'automne, c'est comme une des seules choses qu'on trouve. Ah ben, l'automne arrive, tu sais. On va retomber dans la routine. Ah, occupation double commence, tu sais. Puis là, ben, c'est ça. Ça a fucké up cette année. C'est plate, mais il fait tellement beau que. Hein, on s'en fout. Ça file encore comme l'été. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir. Je sais pas à quel point ils vont être comme à l'aise, tu sais, comme on dirait qu'ils vont tous avoir un petit peu une nervosité de qu'est-ce qu'ils disent, de qu'est-ce qu'ils font. T'sais, on dirait comme avant qu'ils se remettent comme à l'aise, genre. Moi, j'ai l'impression qu'ils voient toutes les caméras de nouveau là. T'sais, là, ils retombent de nouveau comme ce qu'ils sont la première semaine. Ils sont conscients d'être là, là. Comme trop conscients. Là. Fait que je sais pas. Je sais pas à quel point ça peut être bon, tu sais, je sais pas si ça va fonctionner, je l'espère, parce que moi j'adore ça, puis j'espère que ça va revenir, puis qu'ils vont être capables de se virer de bord, là, tu sais, là, l'année prochaine, ou si qu'ils prennent un break, tu sais, ça revient l'année d'après, ou je sais pas, en tout cas. J'ai l'impression que Jay, tu sais, sa dernière année, là, il doit être comme, ok, là, wow, là. Mais c'est ça. Je trouve ça dommage si ça se finirait. J'espère que ça se finit pas, mais tu sais, je me demande à quel point ça va être intéressant. Vu que justement, ils vont tout filer, qu'il faut que fassent attention à tout, comme il faut. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont venir trop conscients. Tu sais, ça va être. Je sais pas. Mais en même temps, tu sais, le but, c'est l'amour. Tu sais, c'est pas de se chicaner, mais tu sais. Je sais pas. J'ai hâte de voir. T'sais. Puis j'écoutais ici Charlie, puis elle disait. Ah, très le fun, hein, que ça reviendrait comme avant. Comme. Parce que tous les gars s'éliminaient un après l'autre, puis après ça, là, ah, là, il restait un gars, puis là, toutes les filles. Tu sais, c'était quelque chose comme ça, là, dans les premières saisons. C'était intéressant pareil. Mais je trouve en même temps, de cette façon-là, ça fait plusieurs coupes. Puis. Tu sais, moi, je m'aide pas la nouvelle façon, mais comme. Je sais pas à quel point que. Ça a besoin d'être autant de la bisbille. Ça peut être des petites chicanes, puis c'est bien correct, tu sais. Mais c'est ça, il y a une différence entre chicanes, puis d'autres actions. C'est ça. Moi, je sais pas. Je suis pas une experte là-dedans, puis j'ai rien vraiment d'important à. Comment je dirais, comme c'est pas à moi à parler de ça vraiment, mais comme. C'est ça. J'espère qu'ils sont capables de se virer de bord, puis que ça revienne. Puis j'aimerais que ça continue cette année, si que ça peut être comme intéressant, mais je sais pas. Puis on va voir, vu qu'ils disent que c'est fini. On va bien en entendre parler d'ici à dimanche, là, on va finir par savoir, là. Ça sort tout un petit peu à la fois, les informations. Et c'est ça, je vais aller me chercher un café. That's it, that's all. Là, je suis dans le drive-thru et je suis... Ça sent dans mon champ. Là, je suis venue m'installer rapidement okay, parce que là, ma belle, hein, ça vient chez nous. Ça a tout repoussé. Je comprends pas. Genre, imaginez quand ça veut dire qu'il fait beau, là. Fin octobre. Check ça. C'est fou raide. Tu sais, ça a tout sorti niveau. Ça, là, ça, c'est quand même frileux, là. Ça. Incroyable. Petit chapeau de sorcière, c'est envolé. Regardez comme c'est cute. Chapeau de sorcière va sur le fantôme. Par exemple, c'est pas mal de sécher mon haut. Ça,
j'aurais pu les utiliser pour faire quelque chose. C'est tellement beau, hein. Il était gros, ça avait aucun sens. Les arbres commencent à être assez gros pour que ça fait des petits tas de feuilles par terre. Je trouve ça tellement cute. L'été prochain, j'aimerais peut-être enlever toutes ces fleurs-là qui sont là. Ça n'a pas de sens, ça. Ça recommence, tu sais. J'aimerais peut-être juste mettre des petites annuelles, là, parce que, tu sais, c'est vraiment pas large, ces gros feuilles-là. Je trouve ça comme budget. Ah, tu as d'autres choses qu'à commencer. Hein? Les pots, c'est fou. Ça recommence tout. Tu sais, comme ça, c'était pas là, là. Ça revient pas parce que c'est frileux, ça. C'est pareil, regarde ça, ça fait comme un mois qu'il n'y a plus de fleurs. C'est juste du feuillage. Puis là, checker. Une ici. Il va en avoir une là. Puis il va faire beau là, cette semaine. Là. Il y en a une là. Incroyable, j'en viens pas. Je trouve ça fou raide. C'est cute, c'est le fun. Mais c'est ça, hein? Ça approche de Noël, là. On va tout cleaner. Il y avait du fer dehors, tout a été cleané. Il y aurait juste. On avait fait un feu. Ouais. La petite roulotte. Tout prêt pour l'hiver. Bateau prêt pour l'hiver. Ça? On va bâtir la chope, mais on va aussi réparer le bateau. Ben hâte de ça, ça va être le fun! Allô, on est rendu le lendemain. Ce matin, je suis allée marcher. J'ai pris une longue marche, presque d'une heure, puis ça m'a vraiment fait du bien. Par contre, ça faisait longtemps que j'avais pas marché et les jambes me démangeaient. Je sais pas si vous autres, ça vous fait ça, là, mais ça grattait intense. Puis ensuite, c'est tout venu comme rouge, puis ça chauffait. C'était intense. Fait que c'est tannant que ça me fait ça. Mais en tout cas, je vais quand même continuer à marcher, mais je sais que quand je fais moins d'une demi-heure, ça fait pas ça. Puis là, j'ai lu un petit peu en ligne, ça dit que tout de suite, ça commence d'arrêter. Donc, quand je suis dans le chemin, je peux comme pas vraiment arrêter. Là, fait que je vais juste faire une demi-heure, puis au pire, si je vais marcher plus, j'irai sur mon treadmill, où je ferai d'autres exercices à la télé, comme que je faisais sur YouTube, là, avec Glow with Joe. C'était vraiment le fun, mais je m'avais fait mal derrière le pied, si vous voudrez, je vous ai comme pas trop d'en faire. Mais en tout cas, c'est ça, là, je me suis comme allongée pour laisser passer ça, parce que ça chauffait intensément. J'avais filmé le lever du soleil, c'est tellement beau, la mer était tellement belle ce matin, puis quand est-ce que j'ai eu fini mon clip, mon sel a manqué, j'étais pas trop impressionnée. En tout cas, fait que c'est ça, j'ai pas pu le filmer, mais en tout cas, ça sera pour la prochaine fois. Puis, je pense que le vlog est assez long, fait que je vais fermer ça ici. Puis, je vais faire le montage. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit la prochaine fois. Puis, si jamais ça vous tente de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Puis, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces ou des petits commentaires en bas. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Puis, on se revoit bientôt. À la prochaine.